Ça va moins. Et voilà Elmo. Moi je te prends en vidéo Emmanuel. Oui. Alors qu'est-ce que tu as à dire? Oh, je suis extatique de joie. Il a passé toute la nuit à mes côtés. Il n'a même pas ronflé. Oui. Alors t'as vu, ça pète pas un bulldog alors. Et ça ronfle pas là. Non. Non. Bah, pas pour l'instant, ce qui n'est pas un problème. Et voilà. Elmo, Elmo, je l'appelle alors qu'il est sourd. Alors regardez-moi comme il est haut. Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi, c'est pas mignon ça. Voilà, ils étaient faits l'un pour l'autre. Moi j'ai juste envie de dire à l'adoptante là, celle qui lui a promis de l'adopter pendant 3 semaines, que finalement elle a bien fait. Merci. Ouais. Que finalement, elle a bien fait d'annuler l'adoption, car il n'était pas fait pour elle, et puis elle n'était pas capable à l'adopter, de toute façon. Elle n'était pas digne, d'ailleurs, de l'adopter. Voilà. Hein, Elmo, tu vas aller en Haute-Savoie. Et en fait, il avait habité dans un château, donc à partir de maintenant, il faut l'appeler Sœur Elmo. Monsieur Châtelain. Hein, Sœur Elmo. Hein, mon cœur. Il va être pas mal. Il va être pas mal. Alors regardez-moi, c'est pas... Alors voilà, il est peut-être malade, mais regardez, il est quand même en forme. Regardez, c'est pas un beau chien. Il faut juste de l'amour. Et Emmanuel, avec tous ses problèmes, elle l'a adopté. Voilà des gens, des vrais gens qui aiment les animaux. Sachant qu'Emmanuel, elle a sorti pas mal d'animaux. Tous ses animaux viennent de la SPA. Hein, c'est tous tes animaux? Tous. Tous, Velvet et... Velvet, Elmer... Les chats, le chat aveugle. Voilà. Donc, c'est à la SPA chez elle, en fait. Voilà. Donc, c'était pas possible qu'Elmo aille ailleurs. Voilà. Bon, bah, merci Fouda. Merci Fouda. Voilà. Bon, allez.